Donc pour mon tricoté en rond avec des aiguilles double pointe, vous avez besoin de quelques aiguilles double pointe, minimum 4. Parce qu'avec 4 aiguilles, on va pouvoir faire un cercle, pas vraiment, hein, sous forme de triangle, comme ça. On aura des mailles tout autour. Et la quatrième aiguille qui va vous servir à tricoter. Donc alors on va tricoter les mailles de cette aiguille, puis les mailles de cette aiguille, puis les mailles de cette aiguille. Donc c'est minimum 4. Vous pouvez aller jusqu'à 6 si vous voulez. Si vous avez 6 aiguilles, donc il y en a une qui sert toujours à tricoter, et les 5 autres qui formeront non pas un triangle, mais quelque chose un peu plus à arête, quoi, un peu plus octagonal. Ou, voilà. Donc j'ai monté des mailles, et je vais vous montrer le début. Comment on va faire. On va effectuer un transfert des mailles sur 3 aiguilles. Donc je prends mes aiguilles double pointe et je vais en transférer. J'ai compté de quoi faire 8 mailles par aiguille. 2, 3, 4, 5. Si vous n'avez pas le même nombre de mailles par aiguille, ça arrive. Ce n'est pas bien grave. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir 2 mailles sur une aiguille et puis 10 mailles sur une autre. En termes d'équilibre, c'est pas top. Donc là, j'en ai transféré 8 sur une première aiguille. Et je vais transférer 8 autres sur une troisième aiguille. Je trouve que c'est plus simple de monter d'abord toutes les mailles et puis après de les transférer sur les aiguilles, plutôt que de les monter sur les aiguilles en direct, c'est pas terrible en termes de stabilité. Donc ici, avant de commencer, quelques explications sur ce à quoi il faut faire attention, etc. Alors il y a un problème bien connu dans le tricot circulaire qui est de ne pas faire attention à la façon dont les mailles sont mises, de sans faire exprès les tourner. Donc typiquement, par exemple, de tricoter celle-là comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait une rotation sans s'en rendre compte. Et du coup, vous n'obtenez plus un cercle et c'est pas récupérable. Donc faites attention à ce que toutes les mailles soient bien toutes orientées dans le même sens, c'est-à-dire le rang de montage du bas, ici, sans avoir tordu ici les mailles. Ça vous permettra de vous assurer que vous aurez bien un cercle. Et non pas un cercle Möbius comme on peut voir sur certains patrons où c'est volontairement tordu. Voilà, donc le principe c'est de rejoindre le cercle. Là, ici j'ai ma queue que je ne vais pas utiliser et là j'ai mon fil principal. Donc on peut bien voir que c'est bien joint dans tous les endroits sauf ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rassembler dès la première maille le cercle. Donc il faut toujours faire en sorte que votre fil de pelote il soit à droite et que vous piquiez dans la toute première maille que vous aviez montée au début, histoire de bien rassembler et de refermer le cercle. Donc je prends ma quatrième aiguille et c'est là qu'on commence un petit peu la gymnastique qui n'est pas évidente, de monter les premiers rangs. Donc je prends tout dans ma main gauche, voilà, j'ai mon fil ici, je vais piquer la première maille de la première aiguille et je vais bien serrer pour bien refermer le cercle. Hop. Et je vais tricoter toutes les mailles. Là, j'ai bien serré, du coup, c'est un peu difficile. Je vais bien tricoter toutes les mailles de la première aiguille. Voilà, j'ai fini ma première aiguille. Du coup, j'en ai une nouvelle qui se libère. C'est cette nouvelle que je vais utiliser pour tricoter les prochaines mailles. L'aiguille que je venais d'utiliser pour tricoter a maintenant les mailles que j'ai tricotées. Donc j'ai une nouvelle aiguille qui se libère. Je vais tourner légèrement le travail pour pouvoir commencer à tricoter les mailles suivantes. Et donc ce qu'il faut faire, c'est de bien penser à pousser les mailles vers le bord de l'aiguille pour pouvoir commencer à les attaquer et à les tricoter. Ah, vous voyez, ça s'en mêle un peu. Voilà, comme je vous disais, le montage au début, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Ça se balade un peu dans tous les sens, c'est pas vraiment stable. Donc il faut bien faire attention
à tricoter les mailles comme elles se sont présentées, à ne pas tordre le travail ni le tricot. Voilà, j'ai fini ma deuxième aiguille. Et je vais tricoter la troisième. Je pousse les mailles vers le bord de l'aiguille. Je prends mon aiguille libre et je tricote la troisième aiguille. Attention, ici j'ai le fil, hop, la queue de mon montage d'émail. Voilà. Donc là j'ai effectué un premier rond. Rond, oui, et par rang, puisque je ne tricote plus par rang, je tricote en rond. Donc c'est le rond 1. En tout cas, c'est comme ça que les Anglais le décrivent dans leur patron, rond 1 et pas rang 1, pour pouvoir bien faire la différence entre du tricot à plat et du tricot en cercle. Je vais faire un deuxième tour. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui n'est pas évident, c'est que les premiers rangs, les aiguilles se baladent un peu dans tous les sens. C'est assez ennuyant, ennuyeux, embêtant. C'est le temps que il y ait assez de mailles, que ce soit bien lié, bien stable. Du coup, en attendant, les premiers rangs, ça se balade un peu partout dans tous les sens. Mais c'est pas grave, tant que vous continuez à prendre les mailles telles qu'elles se présentent et à les tricoter les unes après les autres, tout devrait bien se passer. Et voilà, j'ai fait deux ronds. Donc là, on voit bien, bon, la queue ici, on la pousse, hein, hop, voilà. On voit bien à l'envers ici que j'ai joint en cercle. Ici, c'est un peu plus lâche, c'est normal. Ce sont les premières mailles. Quand on tricote en rond, les premières mailles, elles sont souvent un petit peu séparées les unes des autres. On a beau serrer très fort, ça fait souvent ça. Donc ce que je vous montrerai dans la partie astuce éventuellement, comment rattraper ça à la fin, quand vous allez rentrer le fil, c'est tout à fait rattrapable. Mais en dehors de ça, on a effectué notre premier cercle. Et donc on va continuer ainsi jusqu'à obtenir la hauteur désirée.